Pas pu, de toute façon. Air d'entraînement. Fais voir ça vite fait. Il y avait tout pareil dans l'autre, ok. Mais c'est la même bêta en fait qu'ils ont ressorti pour tout le monde, ça. Est-ce que j'ai regretté d'être allé là? Peut-être pas, non. Peut-être mieux ça plutôt qu'être gros, un gros naze sur le jeu après. Wow! Il tout renversé. Ah, mais c'est joli. Vous pouvez essayer librement vos armes et changer les équipements au coffre. Ok, alors ça oui. Classique, les petites armes donc du Monster Hunter. Une arme qui se transforme en hache à grande portée ou en épée puissante. Mmh. C'est plutôt incroyablement cool ça. Alors, épée attaque verticale. Oh God, je me rappellerai jamais. Attention là, je vais mourir dans l'entraînement. Ok, les esquives c'est croix. Mmh. Il a un peu de mal à marcher avec ça, je peux le comprendre. Ouh. D'accord. Je vais me faire défoncer sur le jeu. Merci pour le faux, Yand le maléfique. Et là, il arrive à courir dans cette forme. Mm-hmm. Ah, je vais en mode épée. Faire des putains de combos avec métamorphose, ça a pas de sens. Ah, Gizor, je m'en souviens un peu de ça. Je vais me faire éclater. Hein. Durant une ouverture, x3, x2, ta ta ta. Bon. Ok, je peux cibler. D'accord. Et on m'a parlé du coffre aussi, tu vois. Le coffre te permet d'organiser ton inventaire. Ok, c'est ton premier MH. Ouais, comme j'ai dit, j'avais brièvement testé le 4. Aïe. Mais c'est tout. Attends, parce que mon écran cache un peu, voilà. Chat. Ouais. Juste pour me familiariser un peu avec les trucs rapidement, je regarde. Ça permet aux gens aussi de revenir, ceux qui étaient partis et qui veulent voir. Et il y a tous les types d'armes du jeu, c'est ça? Bon, j'imagine pas tous, non, ils ont gardé pour la release, mais... Toutes celles que je peux avoir dans la bêta, elles doivent être là, non? Ok. Ok, ça c'est les épées de Lady Maria, j'en suis presque sûr. Ouais, Nash, je suis pas en retard, je suis juste en avance. Bah tiens! Et il fallait que je parle à lui, non, pour me casser. Yes. Encore une fois, vous me direz si c'est trop bas ou pas. C'est moi, c'est bas, mais c'est juste chez moi. Son du jeu, je veux dire. C'est un peu comme Bloodborne, la transformation de l'arme. Ça m'a fait penser à ça aussi. Mais je veux pas faire le gros nerd des Soulsborne qui parle toujours de ça. Bon, bah solo, je suppose. Je sais pas. Ce serait pas mieux en ligne. Je me joins à vous pour ma soirée placée sous le signe du célibat. Yo. Alors déjà, il y a une règle très simple chez moi, c'est qu'on fait des femmes. On les fait... Ok, on fait pas des filles d'anime, on fait des femmes. Ok. Comment j'entends mon nom? Ah, ok. Hunter. Attends, non, non, j'ai rien eu le choix là. What? Là, je fais fermer. Ah. Vas-y. En hommage. On va appeler comme ça. Je confirme. Ouais. Alors lui par contre. Il est cute comme ça. Fais pas des films dans un jeu japonais. Non mais bon, je le dis moi. Je dirais qu'il est nickel le son du jeu, ok. On verra quand il se passe des trucs de manière. Il est vraiment trop bien fait lui, hein, c'est dingue. À chaque fois ils les font super trop bien. C'est bien ça, on dirait pas que j'ai 8 ans quand je parle comme ça.
Les familiers, je suppose c'est un familier non qui nous suit. Créez votre palico. Ça c'est le nom de meilleur que je donnerais à mon gâteau si j'en ai un jour. Ouais. Donne lui un nom trop cute, ben voilà c'est fait. T'as vu ce que tu voulais je crois Nyan. Visage prédéterminé, mais oui mais je m'attendais à... Merde, il y avait peut-être une touche non pour modifier. Ah. J'ai peut-être mal fait, non, je pouvais peut-être modifier le visage. Je m'attendais à ce qu'on me donne un écran de modification. Débutant en fait, hein. Il n'y a même pas de réflexion à ce niveau-là, ça va être débutant. Hein. Ouais. Alors, faire la vidéo. C'est rude as fuck. Est-ce qu'on chasse des animaux qui avaient rien demandé encore? Le game seller ce chaton, c'est ça? Ok, je prends ça si j'ai envie d'être un bébé qui a un bouclier, ça. Un compagnon de voyage, il peut poser des pièges et sait se battre. Ok. Encore une fois, faudra pas vous énerver sur moi si vous connaissez trop bien le jeu, parce que moi, bon. La personnalisation sera plus détaillée avec le jeu fini. Ok, pour la bêta, ils ont mis le minimum, mais ça a du sens. Hein. Et ça, je le veux pas. Donc. Non, je regarde pas de toute manière, fais voir ça. En fait, j'aime bien la. J'aime bien l'arme de base qu'il nous avait donné, quoi. Rocher d'obéissance. Oui. j'aimais bien ça, la hache d'acier, en fait. Et puis, s'ils l'ont mis de base, je me doute bien que non. Âme de la forêt, tiens, il y a un bouclier, mais bon. Ok, la mouille verte, c'est quoi, c'est ça? Non, je la veux pas, ça. Elle me tente moins que les autres armes, elle fait plus classique, celle-là, elles ont l'air un peu plus funky, quoi. Ok, alors celle-là, par contre, elle est un peu trop funky, je crois. Seulement un peu trop de talent, ça, non? Là, il fait des trucs de fou, mais moi, j'arriverai jamais à faire ça. J'arriverai jamais à faire ça. Plus simple à gérer, c'est l'épée à une main plus bouclier. Ok. Après ça c'est des trucs encore à distance, non? Fusil en os. Calme-toi avec les armes funky, tu vas être ridicule, oui, c'est bien ce que je pensais. Torture opted. Robot no. Bon, j'ai envie de garder ça quand même, on me conseille... C'est laquelle que tu me conseilles? L'épée avec à une main plus bouclier. C'est quoi, c'était celle-là? Ou celle-là? Ça va en faire là? Allez, je vais garder ça quand même, non? Je sais pas. Poulet de défense. En vrai, je vais rien changer, je crois. Hein. Parce que s'ils me donnent des trucs, je me dis que. Tu sais, ils doivent donner le minimum aux bolos comme moi qui savent pas ce qu'ils font. Plutôt que me faire un stuff au pif et que ce soit ignoble en fait, le résultat. Qu'on se fasse défoncer. Ouais, alors attends. Je regarde juste les skins au cas où il y en a un qui me frappe. Et que j'ai envie de mettre, mais. Et je suis un casu, j'ai assez comme ça. Ok. Équipement palico. Lui, par contre, je peux changer ses trucs, non? Il y a un petit arc! Arc sylvestre! C'est trop bien! Prends ton arc sylvestre. Ah, par contre, lui, ça vaut le coup de changer les trucs, ils sont mieux. Non? Tu vas voir. Oh! Non! Reviens! Ah non, là par contre il est infâme là. Infâme aussi. Mon fils ne portera pas ça. C'est quoi ça? Cage à flash insecte, un gadget Paiko qui aveugle les monstres. Ok. Chaman, Chatman, énorme, utilisé pour la défense. Le montant de la vie reste... Vas-y, prends ça, tu me resteras ma vie, ça ira très bien. Ok. Départ. Vas-y. Salut Beranor, comment tu vas? C'est la bêta, ouais, il y a une bêta ce week-end. Je crois qu'elle dure que ce week-end, non? Et maintenant, je vais pouvoir être ridicule devant tout le monde. Yeah!
même temps, j'ai passé ma vie à le faire hier devant Lady Maria pendant 5 heures. C'est pas maintenant que je vais être timide d'être ridicule en stream. Oh putain! Lis par contre ce qu'il y a marqué en bas, s'il te plaît. La doubleuse, c'est pas du freestyle. Voyons voir la carte. Ils ont tout doublé. C'est taré en fait. Ouais. On doit se trouver par ici. C'est quoi qui t'a dit ça, le curseur? Le grand Jagras a des rayures jaunes et vertes. Et une fâcheuse tendance à ne faire qu'une bouchée de ses proies. Essaie de retrouver la piste du monstre et les navicioles te mèneront à lui. Mmh. Tu connais le topo? On doit le trouver et lui faire sa fête avant la fin du temps imparti. Ok, camp 1. Deux secondes, juste regarde juste ce que ça fait d'être dans le camp. Tu peux changer d'arme et d'armure ici. Ah. Tâche de toujours avoir de quoi affronter ce qui... En fait, je suis en train de me dire, j'aime pas ce casque du tout là. D'ailleurs, lui. Oh, mais, ah, non, mais lui, je peux pas ne pas le mettre. Je peux pas ne pas lui mettre ce. Je suis obligé de lui mettre ça. Double frustration, pas jouer et te voir découvrir. Ok, moi, mon idée est dans l'autre sens, mais je vais voir quand même. C'est joli, bordel! Mmh. Ok. Ouais. Multijoueur. Ah, il y a des items qui sont que pour le multi. Ok. Bonjour. Utiliser raccourci. Il faut. J'arrive pas à voir ce que c'est la touche qu'il me demande de faire. Tant pis. Là, j'ai pas besoin des trucs de communication. Qu'on est en solo, j'aurais dû me mettre en ligne, hein, je pense. Ça aurait été beaucoup mieux, genre. Trouve le son un peu faible. Ok. C'est bien de le dire. Parce que je vais pas trouver où il faut aller. Non, pas ça. Ouais. Attends. Ok, c'est là. On va y arriver. La carte, nananana. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Salut, don't disrespect me. Hello. Les navicioles ont trouvé quelque chose. Allons voir ça de plus près. J'arrive. Empreinte. J'ai ramassé une empreinte. Génial. Les navicioles ont mémorisé l'odeur du monstre. Garde l'œil ouvert à la recherche d'autres traces. Ok. Je vais faire comme si je comprenais ce qui se passe. Je vais continuer de ramasser des empreintes et des trucs. Et du coup... On va voir. Je vais essayer d'interagir avec plein de trucs et... C'est quoi ça? Mousse aquatique. Bravo. NP. Mais tu sais que t'as fronde. C'est trop bien, attends, il faut que je ramasse de la mousse là. Je peux utiliser avec ma fronde. Je vais pouvoir courir aussi. Ça aussi doit être utilisable avec la fronde. Tu vois la fronde? Tu devrais pouvoir faire du bruit avec ta fronde. Ah mais d'accord, c'est une arbalète. Moi je m'attendais à un truc genre Thierry la fronde là, qui l'a fait tourner et tout. Que nenni. Faites-moi la plage aussi, la beach. C'est bon, je serais quoi en courir. C'est bon, il a sauté là? Non, il est là. Je le voyais plus, j'ai cru qu'il allait sauter. Wouh! Dino qui climb sans souci. Ah, je l'ai pas vu. Bon, je vais continuer par là-bas, non? Je suppose. Il y a par là. N'est-il pas? Bon, c'est bien, la zone a l'air bien grande, donc je vais forcément le trouver, non? Empreinte, d'accord. Les navicioles ont repéré la piste du monstre. Ah mais c'est ça les navicioles, ok. J'avais même pas vu que c'est ça. Ouais. J'avais pas compris moi quand elle me parlait des navicioles et tout. C'est un mix de navigation et luciole. C'est ce qu'ils ont vu là. Sillon. Il a traîné un meuble Ikea. Merci les navicioles. Par contre, ça a l'air d'aller dans l'autre sens. Vas-y, suis les navicioles. J'y vais. Oh,
C'est lui non, ce sick boy là. Il est thick as fuck. Caméra auto, réinitialiser la caméra. Tu sais ce que tu as à faire. C'est le moment de passer à l'attaque. Merci. Alors, j'y vais comme ça là, on s'en fout. Attention. Alors, est-ce qu'il y a des... J'imagine qu'il y a plein de... Chaque monstre a... Il faut une manière différente de le tuer. Non, là, il m'a même pas vu, je crois, pour l'instant. C'est que c'est un objet... dégainer, se baisser. Je peux genre le... Le stalk. Bon, vas-y. Pour l'instant. Les navicelles se cachent dès qu'il y a un combat. Garde cela en tête. Ok. Ok. Hey, je suis sûr que ces buissons feraient une cachette idéale. Ouais. Oui. Une attaque de plein fouet. J'essaye. Oh, mais il est en train de le défoncer, Bolos là. Nice luck. Alors, c'était ça, je crois, pour faire un enchaînement. Oh. Seulement, je touchais avec ça. Je crois que c'est mon gâteau qui tank, c'est pas ouf, non? Niveau. Intégrité de mon personnage, je vais essayer le chat qui tank. Il est en train de pisser le sang là déjà. Allez. J'arrive pas à toucher. Faut que je sois vraiment proche. Oh. Nice luck. J'ai entendu miauler le pauvre. Grand Jagras, partie détruite. Yes. Alors ça, quand ils ont plus le grand Jagras en général. Ouh. Ouais. Sans défense, c'est le moment ou jamais. Pas de pitié quoi, qu'est-ce qu'il avait fait en fait? Qu'est-ce qu'il m'avait fait le pauvre bougre? Je suis en train de le bourriner. S'il en place une. Ok, attention quand même, le chat. Oh, je lui ai mis un coup au chat. Parce que je spam les touches et même quand j'arrête d'appuyer, du coup il y en a trop qui sont dans la ligne d'attente, je pense. Refaise. Ok. Oh, j'ai de la luck là. J'en suis bien conscient. Mon écran qui s'éteint à gauche, nice. Il va retourner dans son nid pour recouvrir ses forces, non je crois pas. Mais il a tellement de vie. Elle est où sa vie d'ailleurs? Je vois pas, hein. Je pense que... Il était pas censé retourner dans son monde là? Dans son nid? Non. Il va nulle part. Coupe-lui la queue. Je pouvais faire ça? Génial! Tu as accompli la quête! Bravo! Eh ben rip. C'est la technique balai couilles, je tape. C'est un peu ça. On voit pas la vie? Ouais. Il n'y a pas de barre de vie pour les monstres. Ok. J'imagine que ça rend ça mieux. Ça dépend vraiment de la connaissance. Si le farm, il me reste 10 secondes là. Vas-y, hein, moi je ramasse des matériaux. Hop. Star Wars, le remake. On dort à l'intérieur. Ça rappelle ces jeux de chasse où tu défonces des pauvres biches qui demandaient rien à personne. Mais bon, le jeu de chasse où tu chasses comme ça, j'ai envie de le voir quand même. Le truc, tu vois, tu surines la biche pendant 20 minutes. Tu peux voir quand le monstre est blessé. Ouais, j'imagine il se déplace pas pareil. 6 minutes 57, speedrun. Génial. Merci à la commission. Moi je vais me battre contre ça qui doit être un des boss ultimes, non j'imagine. Si j'ai la requête. Ah d'accord. Non. Fin de la bêta? Allez, à plus. Très bien, ce serait drôle. Ça aurait été vite réglé. On va aller en multi voir. Si je peux. Ah mais oui, mais attends, j'ai 3 missions. Non, j'ai 3 missions. Non. J'ai intermédiaire aussi. Ça va être beaucoup plus dur, je pense. On va voir. Je vais le laisser comme je vais garder ça. Vas-y. Bah si on finit la bêta, on passera ouais, sur Dark Souls, je pense. Mais à mon avis, je vais tellement devoir tryhard pour finir les niveaux de difficulté élevés. C'est pour savoir depuis combien de temps je joue.
Bah en fait j'ai juste fait la première mission là, donc 6 minutes 57 plus un peu de menuing. C'est les mêmes missions en multi, juste les mobs scale, d'accord. Mais ça doit être sympa non aussi les combats en multi avec d'autres gens. On peut faire des strats j'imagine. Doit falloir d'ailleurs. Il y a 3 monstres dans chaque quête à chaque fois, mais tu dois en buter que un pour valider la quête. Ok. Elle est très très courte la bêta. Nice. Bien. Bien. Si tu te perds, jette un coup d'œil à la carte. Ouais. Tu peux lire en fait la doubleuse, tu l'appelles en studio et elle fait du freestyle devant son texte. On est là. Ça a l'air un peu plus grand, non? Je la vois, ouais. En avant. Plus être chasseur, plus le monstre advient en multi. Imagine. Tu viens de me le dire. J'ai envie de lui mettre des taquets, elle, déjà. Je la connais pas, mais je sens qu'elle va être dans le jeu final. On aura envie de lui foutre des taquets. Je prédis ça. Je prédis ça tout de suite. Il suffit de sélectionner un camp sur la carte pour t'y rendre instantanément. Ah! Ça, c'est quoi, ça? Sable mouvant. Putain. Tout à l'heure, j'ai environ rien exploré de la map, donc ce serait sympa quand même de voir. Surtout que ça a l'air d'être dans le désert, là. Oh. Oui! Et à terme, ce sera un véritable monde ouvert ou ce sera des zones comme ça? Donc elles ont pas peur de l'homme, clairement. C'est quoi en fait? C'est un plagiat de la nouvelle map de PUBG, c'est ça? Ils savent pas faire des jeux eux-mêmes, faut qu'ils plagient PUBG tous. Je crois qu'il y a une empreinte là. Où vont les navicioles? Par là-bas. Je vais les suivre pour l'instant. The Hunter. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, la caméra qui s'est retournée. Je suis un très grand fan avec ta série de vidéos sur Dark Souls. Merci beaucoup, c'est cool. Toujours plaisir à entendre. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, il y a plein de vie de partout. Tu es par là-bas, je vais rentrer dans une grotte là, non? Le multi sera obligatoire, on pourra jouer en solo aussi. Aucune idée. Bah écoute, j'imagine que si on peut déjà jouer en solo ici. Ça sera peut-être un multi déjà intégré, non? Mais que tu peux désactiver dans les options. Le multi est pas obligé mais très conseillé. Ah ouais? La fronde, je m'en suis pas servi de la fronde. Tirer la fronde. Je ramasse tout, Vitalis. Sentiment que ça redonne de la vie ces trucs-là. Ah, les navicioles en fait, elles me... Quand je ramasse une ressource, elles m'indiquent d'autres ressources. Et quand je suis des empreintes... En fait, elles font tout les navicioles quoi. Vas-y. Attends, je veux juste voir, il y avait quoi là-bas? Il y avait une espèce de truc qui volait. Et donc je suppose si je farmais des trucs par exemple, je les... Ah n'empêche, ça t'a fait te poser, hein, non? Je sais pas d'où ça vient. Tant pis. Ouais, je suppose que je devrais les défoncer, non, si je voulais récupérer des composants. Sur les Monster Hunter... Ah, Monster Hunter, ça se joue en zone, ok, ouais. Bah, je me demandais justement si sur celui-là, il y allait avoir un changement. Comme j'ai l'impression qu'ils visent beaucoup plus haut, ils visent un public beaucoup plus large et... Ils ont l'air d'avoir beaucoup plus de thunes aussi pour le faire cette fois. Est-ce qu'il sort sur la Switch d'ailleurs? Non, ce serait est beaucoup trop dur pour moi, j'arrive même pas à le faire tourner. Mais là, ça va être un combat terrible, là, non? Traquer le monstre. Il fait la même taille que l'autre, je vais voir assez vite sans les empreintes. Oui! Ça, c'est un spécial jeu japonais. Nouvelle éthique en tout cas. Oui, c'est japonais, Monster Hunter, on est d'accord. Et là, les. Oh, ça veut se taper ça! Attends. Ah, mais c'est parce que je suis dans son nid, non? Allez, je try. Tu try ou pas? Ça me fait un peu peur quand même, non? Oh. Faut que je cible, voilà. Je me disais, c'est bizarre, j'arrive pas à jouer correctement. Pourquoi ce chat est toujours en train de tanker? C'est un truc de ouf. Ça se défend même pas, mais bon. Mais tape dessus! Refou! Parce que je l'ai pas en cible, j'arrive pas à la remettre en cible. Enfin, la remettre, je sais pas, je suppose que c'est la mer, mais. Non, j'arrive pas.
Donc j'ai tué ses enfants, ça va lui faire des pieds un peu. Ah là, qui devrait être calmé un peu. Bon. Peut-être pour la cibler maintenant qu'il n'y a plus personne d'autre. J'y arrive pas. Là, je peux pas peut-être hein. On va pas mettre des coups à mon chat par contre. Mais je peux tuer ces gosses. Mais oh, les Cormac par contre ils perdent pas de temps. Ah, je sais pas si c'est passé là, écoute. Ramenons tout ce que tu as dépecé au QG pour améliorer ton équipement ou fabriquer quelque chose de nouveau. J'ai un envie de personnage, mais non. Mais c'est ouf, je peux pas elle. T'arrives pas à la cibler. Je sais pas. Je sais pas si c'est passé madame, désolé. J'ai trouvé vos enfants comme ça. Il y en a d'autres ici, tiens. Un nouveau personnage. Je pourrais limite retourner au camp, essayer de voir un petit peu ce que ça donne, l'amélioration et tout, mais je vais me perdre dedans. Si un truc que je me souviens de mon expérience de Monster Hunter, c'est que je comprenais rien au système de craft. Essaye de retrouver la piste du monstre et les navicioles te mèneront à lui. Si tu tires ton si tu tires sur les piafs avec ton grappin, je crois qu'il te fait voler à travers la map. Ah ouais? Alors le grappin. Parce que là j'ai une fronde. Attends. Non. Déjà non. Ça coche. Non mais ça va aller là, soit tu veux te battre, soit tu veux pas quoi. Pas nous suivre jusqu'au bout de la terre non plus. Oh yo, c'est lui je suppose. Ouais. Oh. Alors lui ça va durer 100 ans. Alors lui ça va durer 100 ans. Quand je vois l'armure qu'il a sur lui là. C'est bugué là non, c'est peut-être bugué, je sais pas. J'espère qu'il va pas venir nous saouler au milieu du combat, mais si. Chier. Il va focus mon... Mais c'est un familier ou quoi? J'ai gagné son... Je sais pas, hein, c'est peut-être une espèce où quand tu tues les gosses, tu gagnes la loyauté impérissable de la mer. C'est un allié? Ah, c'est ça en plus, j'y crois pas. Bon, il faut que je tue ce big boy là. Je vais essayer piaf en paix. Je peux attirer son attention, je suppose. Partie détruite! Nice! Ouh! Jack, quand tu sais que rien qu'un cri ça te met à terre, t'es pas bien déjà. Il va peut-être falloir que je joue plus stratégique là, non? Alors que je vise des parties. La tête ce serait pas mal par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait là? Eww! Ah mais oui, il m'aide! Génial! Pourquoi il m'aide? Qu'est-ce qu'il fait l'autre là? C'est bon. Attention! Ah, ça pique de taper la tête. Ok, il a la tête dure, on dirait une dent. Ouais. Attention. Non. Ah voilà, pourquoi je fais pas ça? Ah, ne pas taper ici. Attention. Ils sont bien, j'aime beaucoup les designs. Des créatures. Tous ceux qu'on a croisés là, c'était cool quoi. Ils sont jolis. Enfin, le jeu globalement est très joli de toute façon. Et il se fait défoncer, mon pauvre Castodon là. Salut, Princesse la Star. Bienvenue. Je sais pas ce que tu as fait. Moi non plus, je sais pas ce que j'ai fait. Mais j'ai gagné la loyauté d'un animal. Aïe, il pique un peu. Il commence à saigner bleu là de la bouche. Hein. Je sais pas si c'est normal. Je fasse un peu plus attention, j'ai des méga potions. Tu vois. Attends deux secondes. Hein. Livraison, amplificateur, cap caméléon. Bon, j'ai barbecue. Ah, je peux l'aiguiser. Non, ça permet de taper plus fort pour un certain temps. Ça restaure le tranchant ou je sais pas quoi. Et comment j'utilise? Non, je voulais bouger. Je me suis trompé de touche. Dans un big boy. Ah bah c'est bon, c'est utilisé, faut pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit bruit, j'ai pas entendu. Déjà 3 mois mis à mort joyeux. Merci beaucoup, Kaluz. Je galère un peu avec les contrôles mais tranquille. C'est très apprécié, Kaluz, ça et ta présence bien entendu. Oh! Putain, il a défoncé là, j'y crois pas. Attends. Je touche le ventre là, non? Quand il est comme ça. La partie faible de l'animal. Ou la tête comme tu veux. Ou quelque chose. Waouh. J'ai l'impression de le défoncer quand tu fais ça. Qu'est-ce qui arrive là?
J'aime beaucoup l'idée de la métamorphose des armes. Waouh, le pauvre. Est-ce qu'il y a vraiment mérité ça? Ah, surtout pas appuyer sur carré quoi. Ça fait ranger l'arme. Bon pauvre, c'est terrible, j'ai l'impression de taper un animal, un chat quoi, qui est au sol comme ça là, qui ne demande rien. Oh! Ton arme s'émousse, ah! C'est bon? Non, je sais pas, il va où? Tu sais que je vais te retrouver quand même. T'en restes 110 minutes, calme-toi. Ah, il faut que je reste appuyé, non? Ouais, d'accord, c'est comme ça qu'on utilise les objets. GG, la queue coupée, merci. Je crois pas que je l'ai ramassé là. On va voir, je vais pouvoir le ramasser. De toute manière, là, il s'est barré, mais je vais le retrouver, non? Il est bien gentil, mais il peut pas fuir son destin. Il a perdu le bout de sa queue, il boite, il va bientôt mourir. Capsule géante. Regarde. Gluante, pardon. Queue. Quel manque de tact. No need de ramasser dans la bêta. Non, mais je voulais juste voir ce que je peux faire ou pas. Il y a le cycle jour-nuit? Ou c'était déjà comme ça avant? Peut-être pas vu juste quand on a commencé, j'ai l'impression que... Soit il est en train de se coucher. Y'a pas de craft de dispo dans la bêta? Ok. Tu peux exécuter des attaques sautées pour monter sur les monstres. Ok. J'ai cru que c'était un vide infini en dessous, que ça allait se terminer comme ça notre mission. Ça a été terrible. Vous avez dit que j'aimais pas ma famille. Oh merde, Diro, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est terrible ça, Diro. Be strong. C'est que quelques jours les fêtes, de toute façon. Tu vois, il y a des trucs qui me guident exactement où il est, donc bon, j'espère bien que je vais le trouver. Oh, il y a un truc qui rampe là. Enfin, qui rampe, hein. Un espèce de, je sais pas, crocodile. Ça arrive, t'es fatigué? T'es malade? T'es... Sans endurance, tu seras vite essoufflé et vulnérable. Ok. Les chasseurs vétérans gardent toujours un œil sur la joue. J'arrive! Il est où là? Ah, il est là? Oh non, mais là j'ai pas envie de le tuer! On dirait une pierre, putain, il s'est bien camouflé. C'est terrible! Alors, sauter. Ok, je vais arriver. 2 secondes, s'il te plaît! Oh! Sauter, c'est. Non mais ça va aller là. Ah, j'ai cru qu'il allait se barrer. Ouais. C'est pas ouf de se battre dans les marées, non? Pour l'endurance et tout. Ah, il est là! Il m'a retrouvé! Qu'est-ce que donc? Merde. Je m'attendais à descendre du coude sur le saut. Mais oh, je vais te sortir mon arme, non, au bout d'un moment. Moi qui me défonce là, non, j'aurais jamais dû me laisser partir ici. T'inquiète pas, j'ai mon castodon. J'ai dompté, je peux pas m'enlever. Récupère. Tu es dans la gadoue. Merci. Non, je vais pas faire ça. Mais il y a tellement de trucs dans cet inventaire. Ouais. 2 secondes. On va bouger, on va le faire revenir sur. Sur le sol, voilà, on peut courir correctement là. Parce que... Yo, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ils t'ont mis à terre, mes potes? Attends, mais le niveau de l'eau a monté là. Je suis pas fou, non? Il a fait monter le niveau de tout. J'ai l'impression que je joue des trucs à chaque fois. Il veut se battre ici. Dès que je suis dans la gadoue, je suis foutu quoi. En tout cas, le framerate est stable. Hein. Ah, c'est bien pour être signalé. Il y
Il essaye de me mettre des coups de queue, mais. Mon petit, t'as oublié, je l'ai coupé en fait. Oh! Y'a des moustiques à la con là qui m'attaquent, je crois. Aïe! Ça pique. Ouais, 2 secondes. Tu restes à distance, pas te mentir, c'est un peu chaud là. Je prends mon grog. Ah, je le prends pas. Eh bah si, ça a marché, je sais pas pourquoi. Il faut se passer des trucs que je ne connais pas, je ne comprends pas, c'est pas grave. Non, attends. On peut pas genre monter dessus aussi, un truc dans le genre. Ah bah oui. Je continue de le taper quand même, on sait jamais. Qui n'a aucun respect. Tu as accompli la quête. Yes. Il n'a plus de vie, la bêta se termine, la frustration. Non. Dis pas des trucs comme ça, il est dead. Il nous reste une mise. Mais il est monté dessus le chat. Mais c'est quoi c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas monter sur leur dos quand ils sont au sol. Ouais, je peux monter sur leur dos quand ils sont debout, mais comment? Du coup aussi, même question. Merci Midou pour le follow. Minou 999. H Midou. 15 minutes donc. J'ai jamais douté de toi. Merci. Faut jump dessus et on s'accroche, c'est ça? Ok. Bah, je verrai. Je regarderai les touches en haut à droite quand je serai proche du prochain. Faire une attaque sautée. D'accord. Le chat joue clairement un meilleur jeu, je te jure. Pourquoi lui il a une monture et tout? Change d'arme aussi? Ah, mais si je change d'arme, je vais plus savoir jouer avec, non? Parce que là, on va partir dans une mission. Non, je modifie pas. On va partir dans une mission expert, donc pas trop envie de changer d'arme en fait, quoi. Si? Vas-y. Non, mais je pourrais changer là-bas, c'est bon. Oui. Vu comme tu arrives en bourrinant, j'imagine que la difficulté de la bêta est allégée. Bah déjà, je suis tout seul, donc ça doit être plus simple, j'imagine. Je sais pas. Quelle idée. Alors, il y a juste trop de talent aussi, je sais pas. Hein. Vous arrivez à faire l'attaque sautée sur l'épée longue. Moi j'arrive que de la faire. J'avais fait une attaque sautée tout à l'heure, je crois. Quand on a sauté d'espèce de rocher là. Dans la gadoue. Montez sur un monstre. Et une attaque sautée, si vous parvenez à vous accrocher et à lui infliger les dégâts, vous pourrez peut-être le renverser. J'ai juste glissé du rocher. Pareil, bon, au final j'étais en l'air, j'ai attaqué, attaque sautée. 5 éléments différents, nous on a le feu, non, sur notre arme. J'avais 450 sœurs sur Monster Hunter 3. Allez, hein. Moi j'en avais environ 3 sur le 4. J'aime pas ça. Bien, partenaire. Fais voir. Content qu'il en refait un qui est pas sur console portable. Regarde. C'est un peu ce que tout le monde voulait, hein, en fait. Un truc que tout le monde peut jouer. En avant. Avec du mucus. Bien, tu sais ce que tu as à faire. C'est glace mon élément? Ok. Je sais pas du tout hein. J'ai pas joué l'arme des fois qui chauffait là. C'est peut-être différent des éléments, non? C'est juste l'arme qui se chauffe puis tu mets des coups. Bonne nuit Circuscusia et très bonne fête à toi aussi. C'est pas la première map genre? Complètement la première map là. Tu peux changer d'arme et d'armure ici. De toujours voilà. C'est mieux quand tu te tais, non? La corne brutale. C'est peut-être un peu dur à jouer, ça, non? Vas-y, je vais essayer ça, mais c'est un peu con, non? Je vais juste voir les patterns que ça fait et tout, parce que vu qu'on est sur la mission la plus dure. Ah oui, d'accord. La taille du truc déjà. De soutien dont les mélodies confèrent des bonus aux chasseurs. Ah ouais, donc non. Jouer. Oula, ouais, non. On va poser ça, là. Il faut faire de la musique avec. Oula. Non, nope. Nope. Je voulais surtout qu'ils arrêtent de sortir en exclu Nintendo. Oui. Pareil. L'arme de Wyvern, oui, je prenne. L'arme Wyvern.
On va voir. Alors, chaque fois je suis carré. Une arme qui facilite les enchaînements d'attaques et les esquives. Pardon. Attaque spirituelle donc. Ouh. Ouais. Moi j'aimais vraiment l'idée de l'autre que tu pouvais. Je peux faire des. Parce que là j'arrivais à peu près en mâchant les boutons à faire des combos en fait, c'est ça qui était bien. Là je pense bien que je vais pas y arriver. Comment j'ai fait ça? Comme ça. Ah j'aime pas. En plus j'ai même pas le design de cette arme là. Katana, un grand classique de MH. Putain j'en ai marre des katanas. Et tranquille. On peut rentrer dans le truc. Perso je joue arbalète donc il faut maîtriser un peu. Ah ouais? L'arbalète c'est chaud, la distance. Tomahawk, mâchoire d'os, tiens, fais voir. Ouf, ça tape bien trop fort, à mon avis, c'est super dur à utiliser. Top l'arme de soutien en solo, c'est clair. Une arme lourde, peu maniable, mais à la puissance dévastatrice. Voilà. Ah, je peux pas rien avec. Je peux faire des trucs coup de pied. Ok, coup de pied au mob. T'en fais un. On dirait que je vais tomber à la renverse, que je fais même pas exprès. Ouais. Non, mais honnêtement, je sais que ça fait no fun et tout ça, mais j'aimais vraiment bien l'arme qu'on avait. Range ta merde. J'aimais vraiment bien l'arme qu'on avait, quoi. Lance-canon de fer à la limite, mais bon, il y a un bouclier alors. Ça va, on est quoi, des bébés ici ou comment ça se passe? Ta la 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 la. Elle m'a indiqué où sur la map, c'est vrai, mais. J'ai oublié depuis là-bas. Ouais. Attends, je peux passer par là? Il semblerait, non? Je vais pouvoir escalader? Ouais. Ah donc ça c'est même que tout à l'heure confirmé. Oui. Et toujours est-ce que mon inventaire est même que tout à l'heure? Ouais j'ai 8 fioles, non j'en avais utilisé 2 tout à l'heure. Je vais en avoir 10 à la base. L'épée bouclier qui peut se transformer en hache d'arme. Oh shit. J'aurais peut-être dû essayer ça ouais. Y'a pas un autre camp par là? C'est bon, revenir en arrière. C'est pas si loin, mais. Là, ça me dit que je peux. Enfin, il y a une flèche verte vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux up un truc? Ou alors que c'est en hauteur, juste. Ça a plus de sens, non? C'est là? Vieux mucus. Regarde. Ouais. Je vois. Je prends. Et je ressors. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh! Oh non, non, non. Eh oh, il y en a 50 là. Oh, eh oh! Eh oh! Vous pouvez se calmer 3 secondes, les boys? Limite, s'il y en a un qui veut venir ici, oui. Ça grimpe? Non, ça grimpe pas, mais Bolo, s'il allait les combattre, je sais pas pourquoi il a fait ça. Complètement fou. Ah, mais c'était là! Chasser le monstre mystérieux. Il y a du temps et t'as utilisé à moitié. Ah ouais, merde, il y a du time. Bon, vas-y, je vais reset alors. Je suppose. Comment je fais? Ici. Retourne au QG. On va remettre si le combat il dure 15 ans. C'est un peu con. Easy, easy. Merci pour le follow. Bienvenue. Salut Ryu, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Échec de la quête. Oh, échec, vous allez vite là. Bon, vite en besogne. Oui, sinon je peux tester l'épée bouclier si ça se transforme en rage d'armes, voir. La force!
Yes. Pam pam. C'est celle-là que vous parlez là, lance-canon de fer? Ou. Je suppose que ça s'appellera pas épée bouclier, sabre en fer. Bon, déjà, je vais voir si j'arrive à faire la quête. Au pire, après, on peut en faire une et essayer une autre arme. Déjà, voir si j'arrive à. Juste à la faire, vu qu'elle est en difficulté expert. Et vu que je suis environ pas un expert. La forme, ouais, Ryu, tranquille. Après Goron DS3, mais on verra à quelle heure. Oh non. Ouais. Bien, partenaire. Ouvre ta map. Regarde. Mmh. Ouais. En avant. Alors le mucus, je l'avais trouvé. Bien, tu sais ce que tu as à faire. Yes. Et où est-ce que je vois? Ouais. Le temps qui me reste. Je regarde à droite. Ta ta ta. Merde. Information peut-être, non? Hmm. Je sais pas où je vois le temps qui me reste. Merci BigSXR45 pour le follow. Bienvenue. Sur chaque map, t'as 3 mobs différents et celui que tu dois tuer dans la quête la plus élevée et seulement dans le niveau intermédiaire. Ok. Ah merde, ça sert vraiment à rien de le tuer. Je peux rien récupérer dessus. Maintenant je me sens juste cruel de l'avoir tué. 19 minutes. God, ça va être long le combat. Alors, ah oui, le chrono, ok. Je sais pas, moi je cherchais un chrono numérique. Mais il est en haut à gauche, à côté de Maria. Loan1, merci aussi pour le follow, bonjour. Alors là, d'après ce qu'on m'a dit, je suis dans la zone. Mais c'est peut-être plus vers là-bas qu'il faut que j'aille, sauf qu'il y a plein de boys là. Il y en a qui dort, non? Hello? Ah non, ok, c'est des champignons. Je croyais que c'était un truc qui était assoupi. Où je vais si je vais là? Il est peut-être vers là, non? Peut-être pas, hein. Oh, peut-être que si en fait. Ah, on a un début de piste. Ouais. Où est la suite? Les naviciole. Comment se passe l'objectif? Bah écoute, c'est le dernier jour où je marque ça parce que ça me saoule de marquer ça tout le temps. Enfin, ça me saoule, ça prend beaucoup de place dans le. Titre du stream, pour rien. Et l'objectif, je crois qu'on était à 72 réguliers. Quand j'ai regardé tout à l'heure, là je sais pas si ça a changé depuis, mais... En général ça met... Ok, je crois que c'est lui, hein. Ça met un jour avant de changer les stats sur Twitch. Il a l'air quand même... Un petit peu vénère lui, bon. On va voir, hein. Attends, il sait pas que je suis là, hein. Un mien monstre. M'indique Bolos. Terrible erreur de la part du joueur. Adverse. Bon. Ça va être drôle de se battre ici contre un ennemi aussi gros. Je vais essayer de l'attirer là-bas direct, non? J'espère qu'il y aura juste qu'il n'y aura pas d'autre monde. Ouh. Ouais. Alors deux secondes. Je m'en vais pas si on va là-bas. C'est quoi ces affaissements de terrain là? On peut pas se battre ici. Hop. Ok, il m'a suivi, bizarrement. La fronde. Tirez la fronde. Un de dégâts. Mais il est tellement gros. Comment on peut être aussi gros? Je suppose que lui taper dans les jambes, bah lui c'est comme l'enfer, non? Ouh. Je vais jamais arriver à le tuer lui. Je vais mettre à terre. J'ai mis un gros coup de latte à Bolos.
Attaque montante peut-être. Voilà. Yes. Attention là. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber. Tombe. Tombe. Non, je vais tomber moi. Ouh. Quand il touche, il fait mouche. Je crois que je lui ai enlevé le truc qui avait sur la tête là. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je lui ai enlevé sa petite queue là de footballeur. Aïe. Ouais, l'animation des attaques est vraiment jolie. Bah les combats sont jolis quoi. Moi je comprends pas trop ce que je fais, mais bon c'est normal je suppose. Je suis sous lui. Aïe. Oui, il est particulièrement vénère là. Ah merde, il fallait que je me ressaisisse, c'est vrai. Waouh. Alors attends. Attends. C'est bon. Je vais bien le faire tomber à force, non, lui mettre des coups dans ses jambettes là. Alors il m'a touché là. Merde, il m'a stun. Ok. On peut utiliser les navicioles pour les localiser. Ah, il se barre là. Je l'ai éclaté. Ça veut dire. J'arrive. Il va aller dans un marais ou un truc qui l'avantage encore là. Si tu meurs, tu pourras pas insulter Miyazaki. C'est ce que je me disais aussi. Avec ton arme transformée, fais triangle. Plus rond, plus spam triangle. Ok, je vais essayer. Non, mais c'est trop cool où t'es allé mourir là. Oh non, il y a ces petits boys là. Éclate-les. C'est avec toi ou. Ça crache du feu. Oh. Ok, c'est destructible. Voilà. C'est quoi triangle? Plus rond, plus spam triangle. Attends, sors ton arme déjà. Elle est transformée là, ouais. Attends, là je fais juste ce que je peux. Oh! Allez hein. À l'année prochaine. Ouf. Putain quoi, j'ai l'impression que c'est un film le bordel. Attends, je vais pas essayer de faire quoi que ce soit de spécial, mais je vais essayer de vivre. Ça me semble déjà honnête. Le temps sur la map. Ouais. Ouf. Non, attends, ouais. S'il fait les bars encore. J'ai pu avoir le temps là, non, c'est ça? Ah. On verra bien de toute façon. Il s'est barré donc. Tranquille le petit seigneur là. Ok, il est bien rapide. Ah, il faut que je la transforme là. J'arrive rien à faire. Ah, mais je peux cibler soit sa tête, soit son corps. Mais putain, mais oh! Merde. Qu'est-ce qu'ils font eux là, les herbivores? Cassez-vous! Il en a rien à foutre du combat qui prend place là. Merci. Oh, j'ai pas aimé ça. Non. Reviens. Et casse-toi l'herbivore. Oh. Ok. Alors là mon pauvre. Franchement, t'as pris tellement cher là. Je vois rien mais tranquille, on va dire que c'est bon. Je vais prétendre que tout va bien.
Il a repoussé sa queue, non? Non, n'importe quoi, je pense. C'est pas possible. Ouais. C'est un peu le combo du massacre, hein, ça. Là, du sang bleu, ça veut dire que c'est bientôt terminé pour lui. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il en pose. Les autres, c'est qu'ils passent à côté, tranquille. Tu vas tomber. C'est de l'acharnement, ça. Eh merde, il s'est vénère encore. Mais il ne crève jamais, en fait. Y'a peut-être quelque chose à faire de particulier. Ouais, ça c'est juste rude à ce niveau-là, si tu me demandes. Vas-y! Vite! Avant qu'il revienne. Il revient. T'en restes en 10 minutes, ah bah ça va! Ah bah là ça va plus parce que je vais crever, mais. Ça aurait pu aller. Ah non, il m'enchaîne! Bah non! Je pouvais rien faire, j'étais stun! Rip! Il te ramène en. Putain, le véhiculage de la défaite. Quand ta vie tombe à zéro, tu t'évanouis pour te réveiller au camp le plus proche. Ah. La quête échoue si cela arrive trop souvent. Mais je peux quand même y retourner, non? Ah, si je peux retourner, c'est pas mal. Alors, il était là-bas, je suppose, ou un point d'exclamation qui se vénère. Ça passe. Attends, mais faut pas recommencer depuis le début, là. Merde, il était parti où déjà? Parce que là... Ah bah il est là, c'est bon, je suis juste à côté, ok. Il est en train de dormir. Mais du coup, voilà, les connaisseurs de Monster Hunter, est-ce que... Ça reprend à zéro là ou... Enfin, il a récupéré full life. What? Je l'ai piégé dans un truc, allop. Ah mais c'est mon mob. Ah là là. Attends, cible le corps. Non, il a récupéré, ok. Ouh, fauché. Oh putain, ce qu'il a pris dans la bouche là, par contre, je vais pas lui dire, mais. Mais cassez-vous, les enfants là! Je suis en feu, par contre. Je suis en feu, mais ça perd de me déranger. Calme-toi. J'ai le temps de la prendre, la petite potion, ou il va se vénère là. C'est bon. Ok. Hello. Attention. La charge, non? Ouais. Rip. J'ai fait un truc. Quoi que ce soit. Ouais. Ah non, c'est l'autre qui m'a heal, je pense. Mais putain, mais là c'est terrible par contre. Il me défonce. Rengainer, je vais me soigner. Parce que lol. Dommage parce qu'il est en train de se reposer là. Ah putain. Ouais. Taper là. Ok. Je veux toucher sa tête. C'est ouf la vie qu'il a ce truc là, non? Quand même. Oh. Faut crever, non? C'est facile de faire pousser tous tes trucs là. Oh, ça va, hein. Petit seigneur, il va peut-être arrêter de faire ça. Ah, il faut que j'aiguise. Bien vu. J'ai le temps en plus là. Encore? Non, c'est bon. Et j'ai des
poudre de vie, des couteaux paralysants. Je vais tirer un couteau paralysant, on va voir. Je pense pas. Merde, je vais les utiliser, hein. La bêta, je m'en fous. Non, qu'est-ce que c'est d'avoir contre son pote? Où est-ce qu'il va? Genre, tu peux passer là, toi. Tu trouves ça normal de passer là? Quelqu'un de ta taille, de ton âge, qui s'amuse à rôder là. Ok. Potion. Tu sais, je m'arrêterai pas pour tuer tous les gens sur le chemin. Hein. Ah, mais ils mettent les feux. Génial. Je me suis pris un coup de patte. Il s'est attaqué par toute la map, le pauvre. En fait, le but du jeu, c'était de faire de la peine avec les ennemis, c'est ça? Il est mort? Il dort? What? Et le respect, là? Le respect du chasseur, il est où? Voilà! Je sais pas sur quoi on se bat, ça va être un piège. Ouais, faut se calmer par contre. Merde. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah bah voilà pourquoi on était là. Vous êtes lié d'amitié avec un chasseur. Nice. Viser, se baisser, machin. Non, je pense qu'il faut juste que je... Fuck, j'ai pas réussi. Je suis tombé. Hello. Il ne s'arrête jamais. Je sais bien que t'as rien demandé, mais tu dois mourir. Ouais. Il se barre encore là, non. Il se fait attaquer par un Jagras. Comment j'ai fait pour me lier d'amitié tout à l'heure avec le truc alors que j'étais en train de tuer ces gosses? Un quart du temps, je tape à côté. C'est ça qui se passe en fait. Ah bah là, s'il continue, je suis mort. Va plus loin, va plus loin. Deux secondes. Dead. Pas dead. Tu peux venir là? Putain, il peut! Oh! Mais non, mais il est fou en même temps celui-là! Mais il est dingue! N'attaque pas un monstre quand ta vie est au plus bas. Ouais! Soigne-toi d'abord. Non, mais. Oh, le petit seigneur là! Ce n'est pas notre cible. Ah bon? Mais ils se battent entre eux. Je veux me lier d'amitié avec le gros, moi. Non, pas lui, pas lui. C'est n'importe quoi, là. Non, c'est normal, ça. Ah non, faut pas être stun, là, quand tu fais ça. Parce que je la connais, cette attaque, c'est... C'est la mort, en fait, hein. On l'appellera. Il est pas fou, il veut juste un homme. Ouais bah... Allez. On est passé. Le premier transport est passé. Ouais. Allez. Je suis stun là. Yes. Putain. Oh. Génial. Tu as accompli la quête. Bravo. Code. Je savais pas si ça allait marcher, vu qu'il a pas de vie en fait, je savais pas quoi. Comme je sais pas où regarder sur l'animal quand... Je le veux lui. Oh. Oh. Merde. Apparemment on s'amuse avec lui qui nous gueule dessus. Merci pour les GG. Moi aussi je vais manger du lézard. 17 minutes de combat. Par contre, j'aimerais bien revenir ici, essayer de me battre. C'est lui le boss du coin? Ah, le gros là? Il va me défoncer, ça veut dire, non? Rien ne peut nous arrêter. Ouais, il m'a envoyé des potions, c'est ça? Utilise-le dans la version finale.
Effectivement, on a fait la bêta du coup. Donc, quand tu me disais il y avait trois monstres Kalnevir dans cette zone, il y avait en gros celui que j'ai tué, il y avait le deuxième avec qui se battait, il y avait le truc qui volait, c'est ça? Dragon, tu peux le faire, mais le secondaire, il a l'air terrible. Hein. C'est le Rathalos, un monstre emblématique des MH. Ah. Bon, déjà la bêta est faite. Est-ce qu'on va voir le dragon? Je pense qu'il va me torcher, hein, mais... Sinon, il y avait quoi? Tu vois? Il y a marqué, je suppose, ils ont tous des icônes, ça. Alors, Apnotnos, Mermnos, Jagras, Kestodon, Noyos. Kestodon, c'est quoi celui qu'on a tué là, non? Sur la map désert, t'en as trois aussi. C'est là la map désert, non? Eh bien, on va voir la map désert parce que. Ah, en plus, je peux savoir où je me téléporte. Attends, c'est sur une autre partie? Ah ouais, c'est où ça? Vas-y, je vais voir là. On m'avait dit prendre ça, non? Attends, non, c'est un canon, ça. Lance-canon, tu vois? Comment ça marche? Il tank. Ouais. En fait, je vois pas laquelle vous me parlez quand vous me dites l'épée et le bouclier. T'es mort rude, ça. Âme de la forêt, c'est quoi déjà? Ah, peut-être celle-là. C'est celle-là que vous me parlez, je crois. Ça doit se transformer en H, ça. Ouf! Vas-y, fais voir. Très bien voir. Ba ba ba. J'espère qu'il va y avoir mon monstre préféré dans tous les matchs confondus dans celui-ci, le Fatalis blanc. Une idée. Sûrement non, ils vont mettre tous les trucs. Et donc là du coup je suis en souterrain. Bien partenaire, on a une nouvelle mission. Ouais. On a peu de temps pour le retrouver et l'éliminer. Mieux vaut s'y mettre tout de suite. Attends, mais là je vais me battre contre le même mob que. Jette un coup d'œil à la carte. Yo. Ok. C'est que dalle pour moi. Enfin, il y a des plantes et tout, mais. T'as un mob hardcore dans une grotte dans cette map avec deux cornes. Oh god. Et. Attends, je vais pouvoir descendre là. Quelque part où monter, non? Peut-être aller là? Je peux nager? Oui. Hello! Ah, je ressors et je suis où? L'exploration pure là. Il y a ces mobs là dans les... Il y en a un gros là-bas, je le vois. Ça doit être l'horreur non de se battre contre lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il peut sortir de l'eau? J'adore son design déjà. Hello Giradotus. Ratodus. Ok, alors attention. Oh là. Ok. Ouais. Oui, oui. Que j'arrive à le faire rester là, non? Pour se battre contre plus facilement. Oh, qu'est-ce que tu fais là? La garde. Ça. Oh putain, mais c'est pété le bouclier! Ça partout? Merde, ce que j'ai fait là. On va bien voir.
Ok. Oh, les petits poiscailles là qui veulent se battre. Je tape à côté, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah ouais. Pire monstre de machin, ceux-là. Je sais pas ce que je fais, là je suis parti au bout de la terre. Le Plesios c'est un cancer. Il va sortir là, non? Ouais. Ouais, ça va, ouais. Alors, ok. Ah, qu'est-ce que j'ai fait avec mon arme? Elle est trop chargée en énergie. Ton arme est trop chargée en énergie, chargée de façon à ce que l'attaque ne soit pas déviée. Ok. Charge-la peut-être, elle a dit. Charge-la, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, j'étais en train de dire ce qu'elle disait. Faut garder plus rond. Ah bah écoute, je fais ça déjà. C'est pas trop chargé pour ça dans sa bouche. Bon, tu fais le kikou, touche là, s'il te plaît, là tu shoots la truc. Mais merde ce truc là. Enfin il est sorti par contre. Bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français ça. Non, qu'est-ce que c'est que ça? Casse-toi. Le petit. Ouais, alors. R2 plus 3, chargé. Attends, oh! Ok, c'est bon. Bah écoutez. Ça dépend de quoi? C'est quand je me prends des coups? Ça charge le truc? Ok. J'arrive même pas à toucher de manière avec ça, je peux plus chier. Avec l'âge au moins j'arrive à toucher. Oh yo! Je suis pas resté en place 3 secondes en fait. C'est bien quand t'étais sorti de l'eau là. Ça m'avait plu. Ah bon. Deux secondes à ta santé. À la santé du colonel. C'est quoi? Plus j'ai le temps de la boire, plus elle me rend vie. Oh shit, j'ai pas vu. Ouais, alors ça c'est moi. Vas-y. Quand même. Ça commence à être trop chargé là, non? C'est jaune. Les fioles améliorent les dégâts du mode H. Ah. Mais il est en train de se barrer là. C'est intéressant en fait, comme les armes sont vraiment toutes, enfin on l'air en tout cas toutes différentes. Après c'est des catégories d'armes j'imagine. Wow. Plus tu emmagasines l'énergie, tu la charges dans le bouclier et quand ton arme est chargée, ta hache fait plus de dégâts. D'accord. Donc en fait c'est un choix, soit j'utilise ma hache, soit j'utilise mon épée. C'est pour ça que ma hache tapait vraiment fort tout à l'heure. Par contre ça va peut-être aller là, non, les conneries. Il y avait un casque. Ok. Casse-toi, je veux pas de problème avec toi. Il est en train de se rouler dans la merde là. Content de faire ça? Ok. Waouh, mon arme là. C'est extrêmement joli là, ce champ de lavande. Non mais non, je veux pas. Oh. Shit. Génial! Je crois qu'on peut juste enjoy le spectacle là, non? Ah non, on peut pas. Si, on peut. C'est clair, on dirait. Merde. On dirait Rey Mysterio qui se battait contre un catcheur là, il a tourné autour. Oh, mon tranchant d'ailleurs, il est pas top.
Wow, j'ai tellement de trucs, putain. Je viens pas m'attaquer, ça. Espèce de... Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, honnêtement, ce truc-là. Je sais pas à quoi il comparait de connu. Cette prise de catch était ouf. Et du coup, lui, il est retourné là, tranquille, quoi. Tranquillou. Il croit que j'existe plus. J'adore sa tronche, quoi, quand il regarde comme ça. Il guette. Non, je vais pas faire ça. My bad, comme on dit chez moi. J'tonk! J'tonk! Oh là là, yo! J'ai du mal à toucher à chaque fois, mais. À force, j'imagine, j'arriverai à toucher. Régulièrement. Non, il va pas se casser encore là. C'est bon. Je sais pas exactement comment je t'ai chargé en électricité, mais j'imagine si c'était un rapport avec les fioles aussi là qui sont vides d'ailleurs, j'ai l'impression. Non, il faut que je les charge et après je peux faire des coups. 6 de dégâts donc avec ça. Je sais pas ce que ça représente, mais ça a l'air d'être un peu quoi. T'as des pièges aussi. Oh. Ah, mais attends, je peux capturer un truc aussi gros avec ça? Ça m'a l'air un peu compliqué, non? Ah, d'accord. C'est tenté! On peut avoir d'autres. Cap, camion, amplificateur, livraison, graine de force. Je tape plus fort après. Imagine, fuck. Fallait faire ça. Oh là là. Oh, petit seigneur là! On essaye de faire des trucs. Rien du tout avec ce mec. Hello! Oh le salaud, je croyais qu'il tirait sur mon chat. Merde. C'est le prix, je dois avoir un vaccin, non? Enfin, un vaccin. Antidote. C'est plus un poisson qu'un lézard. J'entends bien. On dirait un monstre d'un film d'animation, tu sais, un monstre gentil quoi, quand il sort sa tronche là. Je viens là concrètement. Bon, pas comme ça. Rasqual. Ah. Là, ça a dû bien charger mes trucs, hein. Je m'étonne, puisque j'ai pris dans la courgette. Change. Merde. Attends. Je vais y arriver. Putain, mais là il est particulièrement chiant. Et est-ce que quand je me fais toucher ça diminue? Là c'est chargé en tout cas. Hein. Merde. Je vais arriver, hein. Je suis en train d'apprendre un petit peu comment on joue à l'arme, j'essaie de faire des trucs un peu mieux. Mais bon. Au final c'est pire du coup. On sent la ripense arriver. Merde. C'est pas juste. Restez plus longtemps avec nous sur le sol. Non. Plus ton arme est claire, plus elle a des legs. Quand t'es rouge, c'est pas cool. Ah, mais y'a des négatifs en plus, genre si. Genre chargé rouge, c'est pas bien, c'est ça? Ah, par les fioles claires, ok. Attends, je peux pas là, du coup l'attirer. Non, je peux pas y aller là-bas. Ça va être un mur. Le bord des marais là. À mon avis, je peux pas en sortir. Oh, viens, mon brave. Ok. Rude as fuck ça. Tellement rude. Il va repartir là-bas, se faire des prises de catch avec l'autre ou comment ça se passe là? C'est pas mal qu'il soit là en vrai. Je suis fatigué. Deux secondes, j'arrive. Reste là. En plus, tu vois rien toi sur la terre ferme, j'ai l'impression. Tu peux plus bouger quoi. Salaud.
Attends deux secondes, je vais regarder du coup ce que j'ai. Potion secrète. Bessoin, steak à point, viande crue. Grenade, grande bombe, baril. Ouais, c'est pareil. On peut voir si je suis dans une grande bombe, baril dans sa courge. Ok, d'accord. Je me disais, ça va quand même pas être un vrai baril. Si. Piège électrochoc. Bien, belle mentalité ça. Content de toi là. Oh, je peux me le prendre? On va vite le savoir. Poudre du démon, poudre de pierre aiguisard. Vas-y, je vais faire ça. Potion secrète égale full health. Ok. Je comprends pas leur mentalité de me mettre un coup puis après ils reviennent plus. Ok. On va aller voir le monsieur là qui dort, le senior. Oh, ça doit te réveiller ça, non? C'est ouf en vrai cette arme quand elle est chargée par contre. Ouais, j'entends bien, je sais plus où je suis, je sais plus ce que je fais. Tout va bien. Je vous rassure, tout va bien. Aïe, rude. On voit rien du tout, hein, mais bon. Tranquille, c'est parti du truc. Allez, je vais essayer de la tirer vers les trucs barils, machin, mais à mon avis, ça va pas exploser tout seul. Hein. Il faudrait que je tire dessus. Ah, pff. Ah, mais il est mort. Une belle fin. Il marque une heure avec lui. Prends-moi en photo avec la tête dans la bouche. Vas-y, prends-moi en photo. Rip. Mange les steaks. Ça fait quoi les steaks? Ça fait de la vie ou une régène de... Je peux pas te prendre tes pièges. Bonne nouvelle, pour notre pouvoir d'achat. Faire ça. Bon, rip le piège. Eh bah écoute mon petit. Ton endurance maximum a baissé. Mange un steak à foie pour la récupérer. Ah, c'est pour ça qu'on me dit de manger un steak. Ça augmente ton endurance, ok. Putain. N'empêche, c'est vraiment cool de pouvoir le faire avec vous parce que au-delà du jeu qui me donne des trucs, il y a surtout vous qui m'aidez à comprendre les mécaniques, c'est nice. Et attends. Il y a une limite, non? Là, je crois que c'était la limite. Ouais, c'était la limite parce que je vois que ça clignote la barre d'endurance, ça doit vouloir dire que tu peux pas aller plus haut. Ouais, il y a des emotes, mais... Comment je les fais? Ouais, casque et crabe de fer, je l'ai déjà. J'arrive à les voir, là. Mais après, utiliser un raccourci, c'est une espèce d'icône que je reconnais pas. Multijoueur, non. Je crois que j'ai pris plein de trucs, là, mais tout va bien. Ah attends, j'ai fait un truc à droite là. Ah non, c'est pas ça, ça c'est un truc du chat. Ok, j'ai compris en tout cas que celle-là. Ça c'est dans le chat, ça c'est quoi? Bien joué là, ça doit être une vraie emote, non? Ah non. Ah, si. Hello. Et ça c'est des trucs juste dans le chat. Ok. Ah non, pas du tout, il fait des emotes aussi. Je crois pas que ce soit une mécanique très importante de toute manière à comprendre, que ça va. Hello les boys. Y'avait pas un gros là? Lui là-bas. C'est un chasseur ça. C'est un chasseur qui va se faire chasser. Tu veux pas revenir là? Tu vas trop vite. Mais y'a le gros là-bas mais... Non. Ah bah encore vous. C'est un échec critique. Peut-être les petits. Ça fait des dégâts quand même. Tant pis, je vais laisser la famille en paix. Ta-da-ta-ta. Kulu Yaku, il était pas dans la précédente bêta. J'aurais pas te dire. Je l'avais pas fait. Hello.
ils font là. Donc eux aussi je peux les défoncer je suppose, mais je vais pas le faire parce que moi ils m'ont rien demandé. Mais on fait quoi là? Vous voulez qu'on passe sur Dark Souls là? Parce que Dark Souls c'est juste une run en mode chill quoi. Ou je sais pas si on essaye de tuer de se remettre dans une autre quête et d'aller voir ce qu'il y a d'autres monstres à chasser quoi. Parce que s'il y en a 3 par truc, il en reste quelques-uns qu'on a pas vu. Oh bonjour. Cute boy. Je t'aurais. Ah je l'ai vu. Lièvre des prairies, un animal qui aime vagabonder sur les chemins étroits. Suivez-en. Hein? Pour découvrir un nouveau raccourci? Bah je t'ai juste capturé. Ah, où tu vas? Là? Ok. Bon. Merci. On a qu'à faire un Stropol. Zully. Bon, parce que là, je tourne, c'est vrai. J'attends en fait que ça se termine, mais c'est rien, non? Merde, j'ai plus le temps de tuer l'ennemi principal. Ah, je suis désolé, je voulais pas te faire ça. C'est résistant cette merde, ça se bat en plus? Non, ça fuit. Comment ça bouge? Zully, fais-moi un Stropol pour savoir si on continue ça ou si on. Oui, ils sont trop cute, hein, j'en vois plus. Il y a même des fourmis, quoi. Que j'ai chopé. Si on passe sur DS3, soit DS3, soit Monster Hunter. Rapid Stropol. C'est quoi ça là-haut? J'ai l'impression d'avoir un appareil photo là. Ta 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 ta. Il me reste plus beaucoup de temps. Le temps s'est compté. Déjà passé par là. C'est un truc pour accrocher son grappin. Ok. Amer insecte, toile d'araignée. Toile d'araignée. Amer insecte. Ta mère l'infecte. Enfin bon, il faut que je le dise, excusez-moi. C'est fait exprès un peu. Ça ressemble trop. Non! Zut! Ah! On dirait que c'est raté pour cette fois. Mais on retentera le coup bientôt. Ce n'est que partie remise. Ah, je suppose que l'idée c'est qu'on part le matin. Il faut qu'on arrive à chasser avant la nuit, non? Je sais pas. 20 minutes, t'aurais coulé. Mais en 60p ça bug, Diraho. C'est rude par contre. 160p déjà que c'est infect, alors ça bug en plus. 26 janvier 2018, dans pas longtemps en fait, hein. Il aura fallu qu'il l'affiche 50 fois avant que je regarde la date de sortie. Tranquille. Je vais aller voir le Stropol. Je vais pas le laisser tourner 20 minutes non plus le Stropol, hein. On va voir vite. Merde, ce que j'ai fait. Alors, 13 à 10, 14 à 10, 24 votes pour l'instant. Pour l'instant, c'est Dark Souls 3 qui gagne. 14 à 10. Ok, 16 à 10. Non. 17 à 11. Pour l'instant, il y a quand même un avantage pour le DS3. Il faudra juste que je fasse un switch de setup rapide comme l'autre fois là. À une époque c'était 45 minutes la chasse. Waouh, ça durait longtemps les combats alors, non? Non, n'empêche j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé cette bêta de Monster Hunter. Puis ça me hype en fait pour le jeu, au final. Mais je sais pas si avec tout l'aspect gestion des inventaires et tout, des machins, des items, comment améliorer ces trucs et machin. Je sais pas si ça va pas par contre, mais un petit peu me dégoûter. Donc, Salut Vijaya. Comment tu vas? Bien, j'espère. Un coup à prendre, ouais. Mais c'est ça qui est bien, c'est que maintenant qu'ils le sortent sur... qu'ils le sortent pas sur une exclue ou quoi... C'est que tous les gens comme moi qui ont toujours été attirés par le jeu mais qui pouvaient pas y jouer ou qui étaient sceptiques à l'idée de devoir faire un tel investissement pour y jouer, bah ça donne plus envie de franchir le pas quoi.
En multi avec des potes, c'est la façon la plus intéressante de jouer au jeu. Ah, bah écoute, en plus, comme j'ai plein d'amis qui vont le prendre day one, je pense, j'essaierai de jouer avec eux, qui sont connaisseurs. Ça va être bien de jouer avec quelqu'un qui connaît. Parce que là, clairement, c'était très avantageux pour moi que vous soyez là. C'est un jeu, il faut s'investir dedans. J'ai l'impression, ouais. Bon, 19-15. Je vais partir du principe que ça remontera pas Monster Hunter, mais c'était très 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 sympa. Franchement. C'est possible que vous me voyez dessus à la sortie, du coup. Donc, truc qu'on va faire, c'est que je vais devoir changer mon setup rapidement pour pouvoir jouer à Death 3. Donc je vais vous laisser quelques minutes, le temps de faire le switch. Avec quelqu'un qui connaît, c'est 10 fois plus intéressant. Ouais, j'imagine, ouais.